لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا السلام عليكم mes frères et sœurs. Parmi les vertus en islam, il y a le fait de peu parler sauf pour dire du bien. Il est en effet conseillé d'adopter le silence car trop parler mène souvent au mal. L'islam incite donc le musulman à contrôler sa langue pour ne dire que du bien ou alors de garder le silence. Certains vertueux ont dit « Si la parole est d'argent, le silence est d'or. » Il est évident que le silence est une protection. N'est-ce pas que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man samata najja » ce qui a pour sens « Celui qui se tait est sauvé. » Mais la plupart des gens n'appliquent pas ce hadith, malheureusement. N'est-ce pas que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aktharu khataya ibn Adama min lisani » c'est-à-dire, la plupart des péchés du fils de Adam proviennent de sa langue. Il convient donc de se taire pour se préserver des péchés. Celui qui veut la sauvegarde, qu'il diminue de ses paroles pour ne dire que du bien. Quant à celui qui parle beaucoup, il proviendra nécessairement de lui soit un péché, soit des paroles qui ne sont pas des péchés mais qui constituent quand même une perte de temps. Et cette facilité de trop parler pourrait l'amener par la suite à dire des paroles interdites. Il convient donc de ne parler que pour dire du bien. Malheureusement, de nos jours, la plupart des gens tombent dans les péchés de la langue et beaucoup aussi sortent de l'islam car ils parlent trop. Le fait de trop parler est une occasion pour le shayatan, pour faire chuter la personne dans le péché. Il faut tout faire pour éviter cela et il ne faut surtout pas le laisser le tromper. Que Allah nous accorde de faire partie des gens qui ne parlent que pour dire du bien. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.